En Guinée, la vie tient à peu de choses, mais surtout à beaucoup de débrouilles. Une commande qui est déjà prête. Ce jour-là, le casse-tête de Pierre, pharmacien et de son assistant, est d'envoyer en un temps record ses médicaments et vaccins à Kissidougou, une ville à l'autre bout du pays. C'est Broncalène, c'est où ? Non, il n'y a pas français, il n'y a pas français. La Guinée-Conakry compte encore beaucoup de maladies graves, comme la polio, la diphtérie et la rage. L'angoisse des pharmaciens, que les vaccins se détériorent sous l'action de la chaleur avant d'arriver à bon port. Pierre ne possède ni camion réfrigéré, ni glacière. Il expédie ses vaccins dans un simple carton entouré de pains de glace de camping. Nous prions Dieu que ça se passe dans de bonnes conditions, que le médicament arrive à bon port et très tôt. Parce que là, c'est un vaccin, il ne faut pas que ça dépasse 24 heures pour y arriver. Et c'est là tout le problème. Rejoindre le transporteur à la gare routière est déjà une épopée. Avec la pluie, d'énormes embouteillages se sont formés. Comment on va sortir à pied ici ? Comment les autres sortent en pied ? Incroyable, mais vrai. C'est vraiment fatigant. Trop d'embouteillages. Énervé, le chauffeur donne des coups d'accélérateur et fait peur à une passante. Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu veux m'écraser, vieux bouc ? Imbécile ! Tu m'as insulté, mais tu as de la chance. Je m'en remets à Dieu. Il dira bien qui a tort ou a raison. Imbécile ! Ça va bien, c'est bon pour toi. Non mais quelle garce ! Conakry, la capitale, est à l'arrêt. Petits vendeurs et mendiants tentent de tirer profit de l'immense embouteillage. Des heures de surplace pour avancer de seulement quelques mètres. 13 heures, ça fait 5 heures de temps. Mais ça, c'est le bouchon qui a fait. Sinon, ça fait pas une heure de temps. Voilà, j'arrive, nous sommes en route. Et une source d'inquiétude pour moi. Mieux là, que ça, il y a des patients qui n'attendent que ces produits aussi. Certainement, ils souffrent là-bas. C'est la vie humaine qui est en cause comme ça. 6 heures d'embouteillage plus tard, ils arrivent à la gare routière. Les médicaments sont confiés à Abbas, chauffeur de taxi Bruce. Le pharmacien le met en garde. Tout est en train d'emballer là. C'est un vaccin. Quand ça dépasse 24 heures, ça va fondre. Donc il faut tout faire pour que ça puisse rentrer d'ici. Merci beaucoup. Fragiles, les vaccins sont placés sous le siège avant. 29. Maintenant, moi, ma mission est terminée. Je viens, je dépose le colis. Ça s'est bien entretenu. J'ai l'assurance. Je me retire. Terminé. Pour une petite pièce, autour des taxis, des hommes appelés coxeurs se battent pour installer les bagages ou serrer une corde. Lui, c'est un coxeur. Lui, là, c'est un coxeur. Coxeur. Lui, là aussi, c'est coxeur. Coxeur, c'est un chauffeur qui ne travaille pas. Comme il n'y a pas de travail, il se débrouille. Un petit métier qui leur permet tout de même de gagner leur vie. Combien vous gagnez pour attacher ? Au moins 50 000, 100 000. Soit autant qu'un enseignant. La Guinée-Conakry ne possède aucune ligne de chemin de fer et l'avion est hors de prix. Le taxi est le seul moyen de se déplacer dans le pays. Les chauffeurs en profitent pour facturer les voyages au prix fort. Cette passagère tente de négocier un crédit pour elle et son bébé. Tu comprends? Maman, elle me dit d'aller, aller là-bas, je donne l'argent. Quand même, j'ai l'argent, c'est 100 000, c'est pas au complet. Le chauffeur se laisse attendrir, marché conclu. Un autre passager pose problème. Il est blessé et veut une place à la fenêtre pour sortir sa main. C'est coupé. Oui, c'est les machines. Avec les machines, quoi. Le souci est que cet homme à la casquette a déjà réservé cette place. Écoutez, moi j'ai choisi là-bas 10 heures. Ce n'est pas maintenant que vous allez me faire changer là-bas. Qu'est-ce que vous voulez ?
je vais rester là où c'est. Mais lui, il est malade. Si lui aussi, il était en bonne santé, je n'allais pas te parler ça. Au final, 9 passagers, 2 bébés et 2 chauffeurs prennent place dans cette voiture. Abbas est très fier de sa voiture toute neuve, de 22 ans d'âge. Elle n'a pas l'air neuve, là ? Oui, oui, c'est tout neuf. Tout neuf ? Oui, tout neuf. On vient d'acheter. En tout, ça fait 450 000 km d'abord. 3 heures plus tard, passagers et médicaments prennent enfin la route. Avec le temps perdu dans les embouteillages du matin, l'emballage de glace des vaccins fond depuis maintenant 8 heures. Si le chauffeur n'atteint pas Kissidougou dans 16 heures, les vaccins seront bons à mettre à la poubelle. La nationale pour Kissidougou, c'est 680 km de trou. Très peu de conducteurs respectent le code de la route. Les accidents sont nombreux. La forêt occupe plus d'un quart de la surface du pays. Ses habitants, abandonnés par l'État, ont dû créer eux-mêmes leur chemin. Ils les empruntent au péril de leur vie. Il y a des accidents. Une personne est tombée ici. Les routes défoncées fatiguent nerveusement les chauffeurs. Je suis au bout du rouleau. Les retards qu'ils prennent paralysent l'économie du pays. La Guinée-Conakry est pourtant un pays riche. Son sous-sol regorge de minerais comme l'or et les diamants. Mais la population n'en voit jamais la couleur. L'hôpital de Kissidougou ne possède qu'une ambulance. On doit sauver cette femme. C'est une vie qu'on doit sauver. La pauvreté s'installe, poussant les familles à mettre leurs enfants au travail. Je souffre tout le temps. Regarde, c'est comme ça que tu dois faire. Dans leur pays, les Guinéens mènent un combat permanent pour la vie. Pour nos conducteurs de taxi Brousse, sortir de la capitale demande une patience à toute épreuve. Les deux chauffeurs se relaient constamment. Le coffre n'est pas vraiment confortable. Ils ont perdu 2 heures dans les embouteillages. Le compte à rebours imposé par les vaccins pousse le taxi à rouler la nuit. Depuis le départ, une forte odeur d'essence flotte dans l'habitacle. Aucun passager ne s'en inquiète. Il semble même rassuré par ses émanations. Chez nous ici, notre croyance, partout où il y a l'odeur de l'essence, ce qu'on appelle fantôme, ne s'approche pas. Les vapeurs d'essence dissipent leur peur du surnaturel, mais elles ne peuvent rien contre un danger bien concret, les bandits de grand chemin. Il y a une semaine, les coupeurs de route, ils ont arrêté un véhicule pour les dépouiller. Ils foncent avec des armes. Il y a même des militaires récalcitrants qui sont parmi eux. Vers minuit, 1 heure, nous préférons nous garer quelque part jusqu'à 5h30 pour éviter des gens pareils. Cet arrêt forcé est bienvenu. Compressés, les corps des 10 passagers sont endoloris et les ventres sont vides. Ah, ça va, mais j'ai faim quand même. Les pieds commencent à gonfler là. Allez, serre-nous. Pour leur sécurité, les passagers attendent que le jour se lève avant de reprendre la route.
au petit matin, cela fait 22 heures que les vaccins voyagent. Le temps presse, mais au lieu d'accélérer, Chérif est obligé de lever le pied. Même si on transporte des médicaments urgents et qu'on veut foncer, on peut pas, la route est beaucoup trop mauvaise. On risque l'accident. Les rappels à l'ordre ne manquent pas sur le chemin. Le pari semble gagné. Après 24 heures de route, le taxi Brousse arrive à Kissidougou. Mais le sort joue contre eux. La pharmacie est fermée et la conservation des vaccins se compte maintenant en minutes. La glace est sûrement fondue. Le chauffeur se renseigne auprès des commerçants. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone du pharmacien ? Je voudrais te dire qu'il y a des médicaments qui sont arrivés en provenance de Conakry. Le pharmacien arrive, mais dans combien de temps ? Un passager s'irrite de l'attente. C'est pas normal. Vous êtes transporteur, c'est tout ce que je sais. J'ai payé le prix normal pour que vous m'emmeniez à Guéquédou. Maintenant, je vous prie au nom de Dieu de nous faire partir d'ici. Nous sommes plus pressés que toi de partir d'ici. Le pharmacien arrive une heure plus tard. Les vaccins sont placés in extremis au réfrigérateur. L'homme est soulagé. Ils sont tous en bon état. En Guinée-Conakry, le taxi Brousse est une ligne de vie. Les voitures collectives vont partout, ou presque. La forêt marque leurs limites. Les communautés qui y vivent sont les oubliées du pays. Très peu de pistes mènent à leur village. C'est le cas de l'ethnie Konyagis. Bouba est un homme médecine. À 82 ans, ses décoctions semblent le garder en forme. Il vend ses plantes médicinales aux habitants d'un village peul situé tout en haut de cette falaise. Le vieil homme, pour les rejoindre, n'a d'autre choix que d'emprunter un sentier vieux de 300 ans. Et une antique échelle de lianes et de bambous qui serpente à travers la falaise. Depuis que Dieu a créé le monde, c'est le seul chemin pour accéder au village. Nous passons ici avec tous nos bagages, aussi bien à la montée qu'à la descente. Il y a eu des accidents. Il y a une femme qui descendait et la branche à laquelle elle se tenait a cassé. Elle est tombée, mais elle n'est pas morte. Le village de Bouba honore ses morts en leur offrant la plus belle des vues. Ce qui n'est pas sans poser problème. Notre cimetière est en haut. Et si quelqu'un meurt dans la plaine, on doit remonter le corps par la falaise. On utilise une nacelle en liane pour aller l'enterrer là-haut. En Guinée-Conakry, la plupart des villages et des villes manquent de tout. Kissidougou et ses 200 000 habitants n'ont de l'électricité que quelques heures par semaine. L'hôpital central, lui, a bien un service d'urgence, mais il est réservé aux femmes enceintes. Ok, on peut aller. Mariam, l'infirmière, court vers la seule ambulance dont elle dispose. Elle a été offerte par l'UNICEF il y a 13 ans. Sans moyens pour l'entretenir, c'est un miracle qu'elle démarre encore. À cause du prix de l'essence, Mariam n'a le droit de l'utiliser qu'une fois par jour. On vient de nous appeler à l'hôpital de partir chercher une femme en grossesse. C'est une urgence. C'est à 75 km. Et on doit faire vite parce qu'on doit sauver cette femme. C'est une vie qu'on doit sauver. Des
on risque notre vie. En empruntant des mauvaises routes comme ça, et là, on a peur. Les infirmiers perdent aussi beaucoup de temps sur la route. En brousse, aucun panneau n'indique le nom des villages. Et il y a autant de pistes que de directions. C'est un vrai labyrinthe. Tu sais où est la route de Télikoro ? Ouais, tu vois la route qui part par là ? Ben, faut d'abord que tu à Nyama. Ensuite, tu demandes le village de Kampé. De Kampé, tu vas à Madina Kampé, et après, tu es à Télikoro. Ok, merci. 2 heures de route plus tard, la femme enceinte est toujours introuvable. C'est par où, Télikoro ? Ah, c'est dans l'autre direction. Pour ne rien arranger, la vieille ambulance finit par les lâcher. Ousmane, allons maintenant. Il faut faire vite. La batterie, c'est la batterie qui bouge. Tu cherches quoi ? Une corde. Est-ce que vous avez une corde ? Même un tout petit bout, ça me va quand même. Tiens, en voilà une. Merci bien. Je finis juste de l'attacher. En attendant le rafistolage, Mariam tombe sur le beau-père de la femme enceinte. Inquiet, il venait à pied à la rencontre de l'ambulance. Depuis mercredi, elle a mal. Mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui c'est samedi. 4 jours de souffrance. La maman et le bébé sont en danger. Pourquoi vous n'avez pas appelé depuis le mercredi ? C'est le 4e jour aujourd'hui, la femme là, elle est au village en train de souffrir. Elle a perdu son bébé. Elle-même, elle est fatiguée maintenant. Moi, ça me fait mal de voir une femme en train de souffrir. Trois heures après son départ de l'hôpital, Mariam peut enfin ausculter la patiente. Le bébé est mal placé. La jeune femme de 18 ans a besoin d'une césarienne en urgence. Non, baissez-nana. En brousse, il n'y a pas de médecin. Ce sont les grands-mères, les matrones, qui s'occupent des accouchements. Au village, toutes les vieilles viennent se regrouper sur elle, la donner des décoctions pour dire à la femme qu'elle n'a qu'à boire. Là, quand elle boit, elle va accoucher, alors qu'elle ne peut pas accoucher par voix basse. Il faut la césarienne. Ils ne savent pas, c'est pas normal. Son mari la soulage comme il peut. Sans civière, la jeune femme repose à même la tôle. Il faut bien positionner sa tête pour qu'elle n'ait plus mal. Elle demande qu'on la soulève. Ah, elle veut se retourner ? Oui. Alors adosse cela contre toi. Où c'est encore ? Ça va aller, hein ? Courage, hein ? Embaradou la plage, tu sais. Quel que soit le risque maintenant ici, c'est d'arriver à l'hôpital à temps pour pouvoir la prendre vite. L'hôpital n'a pas l'eau courante et le bloc opératoire ne possède qu'un seul jeu de pinces chirurgical. C'est une souffrance très aiguë, ça. Il y a quand même un anesthésiste. La maman est endormie. La césarienne s'est bien passée, mais le bébé ne respire pas. Sans appareil de réanimation, les infirmières tentent l'impossible. Ça, c'est bouche à bouche. Pas de battement. Le corps ne part pas. L'enfant est décédé. Si tu penses que tu vas jusqu'au village là-bas, prendre une femme, venir avec elle et que l'enfant ne vit pas, vraiment, là, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, on va essayer de sauver la maman. Les 4 jours de contraction qu'elle a subis lui ont déclenché une paralysie des jambes. L'hôpital ne possède aucun médicament pour la soigner. En Guinée-Conakry, ils sont à la charge des patients. Va acheter des médicaments pour ta femme. La pharmacie est là-bas. Le mari de la jeune femme est désespéré. Je n'ai pas d'argent pour acheter les médicaments de l'ordonnance. Mes parents pourraient m'aider, mais ils sont loin. Je suis coincé.
Sans sécurité sociale, beaucoup de familles n'ont pas les moyens de sauver leurs proches. La pharmacie de l'hôpital vend les médicaments 10 fois moins cher que dans le privé. Mais c'est encore trop cher. Bonjour. Les médicaments coûtent combien ? 3,50 €. 3,50 €? J'ai pas assez. Aide-moi, j'ai vraiment besoin de ces médicaments. Ah là, mais j'ai pas d'argent. 3,50 €, le prix d'une vie en Guinée-Conakry. Est-ce la présence de la caméra ou la solidarité ? Mais le pharmacien finit par lui faire crédit. Il lui a donné de quoi soigner sa femme, une semaine. Après, s'il veut la suite du traitement, charge à lui de trouver le reste de l'argent. Selon l'UNICEF, chaque année, plus de 15 000 bébés et 3 800 femmes meurent des suites de l'accouchement en Guinée-Conakry. Faire parvenir des médicaments aux quatre coins du pays est un vrai casse-tête. Vous embarquez bien pour ne pas que ça se casse. Ok, pas de problème. Elay, pousse les bidons et mets les médicaments à la place. Et les conditions de transport des fragiles médicaments sont toujours ubuesques. Alassane est le fier propriétaire de ce vieux camion. Et le pneu est crevé là, il faut que tu le changes. Et les gars, maintenant, vous soulevez la cabine pour voir si le moteur n'a pas de problème. Allez, aidez-le à la soulever. Il faut la basculer complètement. Eh, il y a une vieille dame dans la cabine. Son antique poids lourd lui permet tout juste de quoi nourrir sa grande famille. Ses 8 enfants et ses 2 femmes. Fatih, 50 ans, et Erika, 21 ans. Allez, venez tous manger. Eh, venez, il y a du taux. Le taux, de la farine de maïs et de l'eau, c'est le plat des pauvres. Toute la famille dépend des revenus d'Alassane, et en ce moment, ils sont bien maigres. C'est vraiment délicieux. On n'a pas d'argent du tout, mais on se débrouille tant bien que mal. Mon camion est trop vieux et je ne fais presque pas de bénéfices. Et sans ces allers-retours en camion, on n'aurait pas de quoi manger. Tiens, prends cet argent. Eh, il n'y a que ça ? Oui. Mais c'est petit, il faut que tu me donnes un peu plus. Mais je n'ai plus d'argent. Et ça ne suffit pas pour nourrir 9 personnes. Si tu n'en rajoutes pas un peu, je peux pas y arriver. On est beaucoup trop nombreux pour ça. Et puis ton argent, tu peux le reprendre. Non, prends-le. Je n'ai pas plus. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 1,50 € si on a besoin du double ? Mais regarde ma poche. Il n'y a plus rien. Ton argent, j'en veux pas. Tu peux le reprendre. Tu sais que mon camion est vieux. Et cette somme ne suffira pas à tout le monde. Oh, ça va, je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ce que tu nous as donné, ce n'est pas assez. Je n'ai plus d'argent. Si tu ne me donnes pas plus, personne n'aura à manger jusqu'à ton retour. Mais ça, c'est votre problème. D'accord. Le vieux moteur s'ébroue. Alassane se demande s'il arrivera au bout du voyage. Tokonou, 65 km plus loin. Le trajet est moins cher qu'en taxi, mais c'est au risque et péril des passagers. Les chutes sont fréquentes, la route secoue la vieille carcasse dans tous les sens. Il y a 65 km pour aller à Tokonou, et on va mettre 6 heures. 6 heures pour 65 km, parce que la route n'est pas praticable du tout. Il y a des trous partout et plein d'accidents. Au moindre retard, passagers et clients lui réclameront des pénalités. Je suis propriétaire du camion. Je l'ai acheté à crédit. Et il faut que je rembourse mon emprunt. Mais la route le détruit peu à peu. Ouais, bientôt, il va être complètement foutu. Je suis au bout du rouleau. D'autant plus que la route n'est quasiment jamais entretenue.
Je dois faire descendre les passagers. La route est trop mauvaise. À chaque fois, c'est comme ça. Ça fait 2 ans que ça se dégrade. Mais là, ça dépasse les limites. Il faut enlever toute la boue qui se trouve là-bas. Sans se poser de questions, les passagers se mettent au boulot. Heureusement, à bord, il y a un stock de charbon. Une partie est sacrifiée. Il fera un adhérent parfait. La route n'est pas bonne du tout. Mais on en a besoin pour gagner notre vie. Il faut qu'elle soit réparée pour que nous puissions vivre. Il y a aussi des bandits qui nous attaquent tout au long du chemin. C'est terrible. Nous souffrons beaucoup, jusqu'à dépasser la limite. Et il y a 3 mois, les bandits nous ont attaqués, parce qu'on est toujours obligé de ralentir à cause de la route. Ils m'ont volé la caisse, 2500 euros. Vraiment, c'est trop. Je n'en peux plus. La limite est dépassée. Pendant des heures, les passagers alternent camion et marchent à pied. Nous souffrons beaucoup. Il faut qu'on nous aide. À cause de cette route défoncée, le prix des marchandises a augmenté. Ce qu'on payait 10 euros, c'est maintenant 3 ou 4 fois plus cher. C'est beaucoup d'argent pour nous, les pauvres. Certains font ce voyage 2 fois par semaine. S'il y a des problèmes de pluie, on met la bâche. Comme ça, on se protège. Il n'y a pas d'autre solution. Vraiment, c'est pas facile. L'averse a duré 10 minutes. Juste assez pour leur donner froid le reste du voyage. À Tokonou, l'arrivée d'un camion est source de pourboire. Les petits livreurs se pressent autour de la benne. Est-ce que tu sais où se trouve la pharmacie ? Oui, monsieur. Bon, alors vas-y. Keïta touche 50 centimes d'euros par course. La pharmacie est en fait une épicerie. Les médicaments sont rangés entre les cigarettes, les conserves et les boîtes de lait concentré. Il les vend à l'unité sans se soucier du nombre de jours nécessaires à un traitement. J'achète des médicaments contre le paludisme pour mon enfant. Il a le palud depuis 2 jours. Ça coûte très cher. Une dose de médicaments coûte 50 centimes, bien trop cher pour la plupart des Guinéens. À 9 ans, Keïta, le petit livreur, travaille autant qu'un adulte. Il court après les clients toute la journée, sans s'arrêter. C'est ma maman qui m'a dit de faire ça. Le plus dur, c'est de soulever les colis. Keïta est loin d'être le seul enfant à subvenir aux besoins de sa famille. Certains commencent encore plus jeunes. Sans 8 bambins s'échinent dans cette menuiserie. Ou plutôt s'amusent, selon le contremaître. Ils nous racontent que tous vont à l'école et qu'ils sont là, en stage, pour une découverte du métier de menuisier. Hey, faut bien frotter pour rendre tout ça lisse.
Comme ça, tu fais vite aussi. Et tu te dépêches. Hé, hey, toi, t'as pas de papier de verre? Allez, il est où ton papier de verre? Tiens, voilà. Prends-le et tu viens par ici. Applique-le bien contre le bois. C'est comme ça, tu le fais monter et descendre. Regarde, c'est comme ça que tu dois faire. Il a quel âge, le petit, là? 5 ans. Tout ce que vous voyez là, les grands là, beaucoup ont commencé comme ça, à cet âge, quoi. Grâce à ses stages, il aurait donc créé des vocations. Mais très vite, le contremaître oublie qu'il porte un micro. Je leur ai dit que tous les enfants vont à l'école et que comme ce sont les grandes vacances, ils viennent ici. Comme ça, on les forme petit à petit et qu'ils ne restent pas assis sans rien faire. Il ne faut rien dire de dérangeant, compris? Qu'est-ce qu'il a envie de faire plus tard, le petit garçon? Il faut leur dire que tu as envie d'être menuisier. J'ai envie d'être menuisier. Est-ce que tu aimes bien poncer? Il faut dire que ça te plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ces enfants âgés de 5 à 16 ans travaillent près de 12 heures par jour. Les conséquences physiques sont terribles sur leur petit corps. Est-ce que tu es fatigué le soir après le travail? Très fatigué. Mais tu te sens comment à la fin du boulot? Ça me fait mal, j'ai mal aux épaules. Lamine, 9 ans, fait le même geste depuis le matin. Si tu n'es pas habitué à le faire, ça fait très mal. Tu vois ces traces qui sont sur ma main? Ma paume, là, elle chauffe beaucoup. C'est le rabot qui l'a fait chauffer. Ça me fait mal tout le temps. Hé, hey, Lamine! Les enfants! Venez, on rentre à la maison. L'armée des petites mains loge dans des dortoirs situés à 3 km de là. Issus de familles extrêmement pauvres, ces petits garçons ont tous été loués à la menuiserie contre un peu d'argent. Certains n'ont pas vu leurs parents depuis 6 ans. Voici l'organisateur de cette entreprise très lucrative. Il fait office de papa, ses 3 femmes, de maman. C'est lui qui commande nous tous ici. C'est lui notre grand maître. L'équipe que vous voyez là, c'est lui qui l'a tous formé. C'est moi qui ai organisé tout ça. L'organisation est militaire. Après une journée de travail, les 108 enfants n'ont pas vraiment le temps de se reposer. Chacun s'occupe d'une tâche ménagère. Aucun de ses enfants ne verra jamais un livre d'école. Pour le patron de la menuiserie, ce n'est pas vraiment important. Dans les campagnes, les paysans s'informent par bouche à oreille. Et ils m'amènent leurs enfants pour que je leur apprenne un métier qui soit plus rentable que l'agriculture. Moi, je les installe ici. Et tant qu'ils ne maîtrisent pas le métier, ils restent avec moi. Pour certains, ce sera 3 ou 4 ans. Mais si je les prends tout gamins, ils peuvent bien rester ici 6 ou 7 ans. Après, je les libère. Je fais ça depuis 1966. C'est mon 30e groupe d'enfants. Selon l'UNICEF, 25% des petits Guinéens prennent tous les matins le chemin du travail plutôt que celui de l'école. Une école qui reste souvent inaccessible tant les routes qui mènent en ville sont impraticables.
Il en est de même avec la santé. Ces médicaments sont destinés à un dispensaire perdu en pleine jungle. Seul un inconscient comme Amaka se risque sur cette route. Allez, dépêchez-vous de charger, on est en retard. Il y a beaucoup de boue là-bas, il y a beaucoup de trous. Amaka n'était pas destiné à devenir chauffeur. Son père voulait qu'il devienne quelqu'un d'important. Sa famille s'est sacrifiée et Amaka a obtenu son diplôme de comptable. Mais il n'a jamais trouvé de travail. Amaka a dû se résigner à reprendre la suite de son père comme transporteur. C'est un Zil 130, un camion russe. Il a plus de 30 ans. C'est un héritage, c'est mon papa qui me l'a donné. Et c'est un bon héritage ? Oui. Dans les années 60, le président Sékou Touré fit alliance avec l'Union soviétique. Les communistes importèrent leur idéologie et de robustes camions, les Zil 130. Celui-ci est l'un des derniers. Si je pars le matin, je peux arriver le soir. Mais souvent, je n'arrive que le lendemain matin. Tu peux mettre 2 heures, 3 heures juste pour faire une montée. C'est un peu difficile. Ce chemin muletier est en fait une départementale. Elle relie Kissidougou à Kognadou, 45 km plus loin. La roue avant est coincée. On est bloqué. À chaque bourbier, le chant des pelles recommence avec la même litanie. Il encourage Amaka. Mais rien n'y fait. La solution va venir de cette étrange sculpture de boue. Ça, c'est des termitières. Ça favorise l'adhérence des pneus. On les met dans la boue et normalement, avec ça, on peut s'en sortir. Les petits, là, ne piquent pas. C'est les grands, là, ceux qui ont les têtes rouges, là, c'est ceux qui piquent. Les insectes sont sacrifiés pour rien. Intrigués par le vieux camion, les membres d'une mission catholique italienne s'arrêtent faire des photos. Mamma mia. Cet homme, entouré de 2 italiennes, est un prêtre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Nous sommes des amis de Don Piero. Elles sont venues avec moi visiter la paroisse de Kognadou. Tu me portes dans tes bras, tu es sûr ? Mais oui, bien sûr. Elle me fait pas tomber, hein ? Allez, viens. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue à pied ? Comme tu veux, continuons comme ça. Mais alors, tu es en difficulté ou tu viens de rencontrer ton amoureux ? Oh, mais non, c'est un prêtre. Eh oui, je suis prêtre. C'est un prêtre. Mais peut-être qu'elle a trouvé un autre fiancé. Est-ce la main de Dieu ? Le 4x4 du prêtre s'éloigne à peine que le camion se sort de l'ornière. Ce tas de cailloux est une providence en brousse. On emporte des cailloux, là, et on les utilise quand il y a des trous. Cette fois, ils en avaient pris un peu trop. Alors ils jettent une partie du stock. Gardez la
Amaka s'arrête. Le moteur manque de puissance. C'est la courroie du moteur qui est fendue. C'est pas un problème. On a une courroie de secours. D'ici 10 minutes, on va rechanger tout de suite. C'est très rapide. Nous, on fait tout. Avant de conduire, on fait l'apprentissage. Si ça tombe en panne, toi-même, tu vas te dépanner et continuer. Parce qu'on est pauvres ici. En Guinée, la misère est telle que tout se récupère. C'est pour attacher les sacs de riz. Ou alors on s'en sert pour fixer les bâches sur le camion. Mais au moment de remonter à bord... À la nuit tombée, le camion roule depuis 10 heures. L'infirmier du dispensaire récupère les colis de médicaments. Il les attend depuis 3 mois et les boîtes ne sont pas bien grosses. Il espère juste qu'il y ait de quoi remplacer les médicaments périmés. La pommade pour soigner les yeux là est périmée. Il y a des malades qui viennent, ils ont besoin de pommade. Si on n'en a pas, c'est un problème. Parmi les médicaments, Benjamin, l'infirmier, a reçu un lot de vaccins anti-rougeole, diphtérie, tétanos et polio. Il est inoculé aux enfants dès le lendemain, car il n'a pas de quoi conserver le précieux sérum. Il n'y a pas d'électricité, c'est un frigidaire à pétrole. Il n'y a pas de moteur. Il faut payer toujours le pétrole, tu mets dans le frigo. C'est pas facile. Donne-nous Catherine Twinda. Ce bébé de 2 ans est trop faible pour être vacciné. Hier, je suis allé dans leur famille. Il a dit de venir avec l'enfant. Parce qu'il faut aller vers les familles là, leur dire de venir. L'enfant a 2 ans et demi, il a 6,4 kg. Ça, c'est une malnutrition sévère. Mon enfant est faible depuis la naissance. Il est né en dessous du poids normal. Et puis il a toujours eu mal au ventre. Alors je l'ai emmené pour se faire soigner à l'hôpital de Kissidougou, mais c'était trop cher. Quand les moyens sont maigres, arrivé là-bas, on peut vous faire une ordonnance de 200 à 300 000. Et si tu n'as que 50 000 francs ou 30, les autres ne vont pas te donner. Il faut payer. Raison pour laquelle elle a fait retour avec l'enfant ici. Avec son état là, son papa a refusé l'enfant parce que l'enfant ne grandit pas. Maintenant, la maman est allée dans sa famille avec l'enfant là.
Moi-même, j'ai pris mon avoir, j'ai donné. J'ai donné. Mais nous aussi, on n'a pas de moyens comme ça. Donc aussi, les moyens sont limités. On ne peut pas donner à tout le monde. Donc sur 100 cas, on peut aider un cas. Les autres, on ne pourra pas. Ça, c'est du plus pinote. C'est un aliment qui est très riche. Qui est très riche en énergie. En Guinée-Conakry, plus d'un enfant sur 10 meurt avant l'âge de 5 ans. Aucun médecin ne vient jamais dans ce village perdu. Benjamin et sa blouse blanche font illusion, mais il n'est qu'un infirmier expérimenté. Selon Benjamin, cet homme de 50 ans aurait fait une rupture d'anévrisme. Il le soigne comme il peut. Qu'est-ce qui va devenir le monsieur ? Pas encore. Ah, il est là. Il parle pas. Ce qu'on a pu faire pour lui, c'est ce qu'on a présenté à la famille pour venir à son secours. On ne peut pas dire que ça va le soigner, mais on a fait un petit pas. En Guinée-Conakry, l'espérance de vie ne dépasse pas 50 ans. Tout le monde me connaît ici.